dans la vie, on va dire. Mais voilà. Mais tout est rattrapable, finalement. Oui. Tout est rattrapable. Exactement. C'est vrai, ça. Bah ouais. Si les gens veulent. Mais Non, c'est vrai. de quoi c'est De vrai? quoi, non, que tout est rattrapable. C'est vrai que tout est rattrapable. C'est une catastrophe. Tout est rattrapable dans la vie. Oui. T'as des projets, en fait? Des projets? Ouais. Bah écoute, je vais là, je reste là l'été. Et puis écoute, non, Non, tu c'est pars pas en juste comme vacances? ça. Pas en vacances. Juste à la fin d'année, je veux aller à Bali. Donc ça, comme projet à la fin d'année, c'est Ok. tout, hein. Ah ouais. Bali pour faire un truc spécial ou simplement pour Non, visiter, juste quoi? la Touriste. plage et rien faire. D'accord. Nothing. Bah moi, pour mon projet, vacances, si on en a, déjà premièrement, déjà ça sera l'été, ça sera la plage. C'est vrai, tu vas aller à la plage? Ouais. C'est vrai? Ouais, tu vois, Tu on lui serait dis venir qu'on va ensemble. louer des bateaux. À louer les Vas-y, hein. bateaux, les jet skis. Ah Hey. oui. Plage privée par contre, hein, parce Plage que. Oui, parce que privée. public. Public, c'est pas pour tout le Trois monde, hein. stars. Le melon! Non, pas pour tout. Là, je Ouais, rigole. non, pour tout le monde, mais Le voilà, ça melon du mec, sera peut-être quoi! un peu Ah plus empressé, ouais, c'est un nouveau JP. Je pense que depuis la ouais. Non, première. c'est pas un nouveau JP, c'est un JP riche. Ouais. Non, je suis pas riche. Et si. Depuis que l'argent coule à Franchement, flot. tu sais la référence du Walter White au début et le Walter White à la fin? Ouais, C'est qu'il a le swag à la Ouais. fin. Franchement, c'est lui, Mais tu hein. sais quoi, on dirait, je peux me permettre, tu me dis Oui. si je dis de la merde, mais j'ai l'impression qu'il t'intimide un peu maintenant. Non, il m'intimide pas, mais ça faisait longtemps que je le voyais pas. Ah, c'est fait pas longtemps que tu me voyais pas, c'est pour ça que tu es intimidé. Non, je suis pas Ah, intimidée, ça va. mais je suis trop beau ce soir. Oh! Ça fait 2 fois que tu le dis, hein. Toi aussi, t'es mignon comme ça. Merci. On est Mignon. d'accord qu'il est beau parce qu'il n'a pas de moustache et pas de barbe. Ça lui va bien comme ça. Ça lui va bien comme ça. Oui. Yes. J'avais l'intention de faire des longs cheveux. Non. C'est vrai? Ouais. Tu Comment avais ça? l'intention de? Mais Mais t'as une t'es calvitie. qu'une femme. Faire pousser mes cheveux pour faire Mais il faut que ça. d'abord aller en Turquie. Ouais, mais Il bon. faut se refaire Les implants. La airline. Après, Ouais. tu pourras faire les tresses longues à la viking. Ouais, pas mal. Non, mais je vais laisser comme ça sera mieux. Ça sera mieux. C'est vrai? Ouais. Moustache peut-être. Ça donne un air plus homme. Plus homme, la moustache. Trop. Franchement, JP avec les cheveux longs, plus de muscles, Ouais, un autre homme, plus quoi. de muscles avec plein de Un tatouages. autre mec. Bien sûr. Cheveux longs, muscles, des Tatou, bad boy, chicots. hein? T'imagines, t'imagines, des chicots, des Voilà. cheveux, des muscles. Un Incroyable. être humain, quoi. Avec une veste en cuir et pantalon en cuir. Ah ouais. Ah, il me fume. Ah non, mais. Voilà. Bon, ça va, je te fais rire déjà, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Par contre, on a un petit resto à faire. On n'a pas fait encore. Ben moi j'attends toujours Ok, l'invitation, hein. quel problème. Je te dirai quand on pourra le faire. Ok. Barbara et JP dans la Smart. Non. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas que la Smart, il y aura peut-être d'autres voitures. Mais c'est Ouais. bien la Smart. Oui, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Oui, la Smart, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, hein. Déjà, t'es venu à côté de chez moi et m'a pas Ouais, invité. non, mais non, on n'était pas très loin. Tu étais au commissariat de police. Parti balance. Je te balance. Ah, t'es là pour la fouillère? Ouais, pour la fouillère. D'accord. Voilà. Non, c'est la Non, ma voiture liste. d'Anis. Non, ma voiture, non. T'inquiète, moi je me garde pas avec ton Mais boulot. l'emprise où, sa voiture? Oh, je sais pas. Mais bon, vu qu'il y avait deux, je sais pas que j'y avais. C'est pas mes affaires. Moi, je lui ai juste rendu service. Ah, t'es juste allé le déposer Voilà. et... Déposer, l'attendre avant 3 heures. Pendant 3 heures et tu m'as pas appelé? For like 3 hours. Ah, c'est vrai que j'aurais pu t'appeler, ouais. Incroyable. Incroyable, ouais. C'est vrai que j'aurais pu t'appeler, on aurait pu Putain. aller boire un café. Mais Ouais. vu que j'avais pas le numéro d'Anus, et je sais pas si j'ai un numéro, j'aurais pas pu te prévenir, ouais, appelle-moi dès que tu vois, dès que t'as fini, et Bien voilà. sûr. Ah oui, tu savais pas. Non. Tu pourras. En vrai, tu pourrais passer tellement plus de temps avec C'est Barbara. vrai. Bien sûr. C'est vrai en plus. Ouais, on aurait pu faire en plus, on peut faire le sport ensemble. Bah C'est bien vrai. sûr, moi C'est j'avoue. vrai. Tu Mais sais. comment tu vas grind ton classement sur Apex si t'es avec Barbara? J'ai plus, je fais plus d'Apex. Tu Mais joues à c'est quoi ce quoi? jeu? PUBG maintenant. T'es Allez, devant en gazon. plus. Ah mais j'y Mais... joue moi. Tu mets Non, tu lourd. joues à PUBG? Bien sûr, je jouais avant Ouais. Fortnite. Voilà, tu peux Voilà. jouer à PUBG avec Voilà. Barbara. Et tu fais des squats à la salle. Oui, ça Quand aussi. tu mets lourd, t'as besoin que quelqu'un te soulage. Bien sûr. Pas de derrière. Ouais. Quand je fais les poids lourds. Ok. Un spotter, ça Un s'appelle. spotter, je fais le spotter. Mais Ah si tu mets beaucoup de poids, le spotter va faire ça. ouais. Voilà. Je pense qu'elle porte plus lourd que toi.
Pour combien? Je sais pas. 20, 30, 40, 50, Plus. 60, 70, 80, 180. On squatte. Bah des, on squatte. Squat, Bon, mais moi, j'ai pour plus lourd. Plus que lourd. toi, plus. En développé couché. C'est la batte assistée. Déjà, sur la presse, je pense que mon max, c'était 260, un truc Ah comme ça. oui. Bon, j'allais faire du sport. Hein. Tu peux t'asseoir dessus, tu sais, Et tu seras un poids de plus. Ouais, je suis 67. C'est en quelque sorte une vanne, je te jure. Ouais, 67. Je te jure que c'est une vanne. Oui, je sais, moi, t'inquiète. De quoi? Non, t'inquiète, sans problème. Ok, dessin, tu continues? Les dessins sur l'iPad, ouais, tu Ouais. sais, quand je suis chez moi, tranquillement. D'ailleurs, tu sais que maintenant, regarde, on fait des dessins, il y a de la Ouais. place là. Y a de la place, hein. Franchement, Le mur là, il va pas être cassé, hein. En plus, regarde, on voit bien On la voit bien. caméra, le mur. Donc celui-là, je Franchement, Ouais. il serait Un trop dessin bébé. de JP et Barbara sur ouais. J'ai tout le temps nos dessins. Hein. Moi aussi. Ah, c'est vrai? Toujours. Je le regarde de temps en temps. Tout le temps. Non. Oh là là. Oh, le truc de détraqué. Bah non, pas détraqué. Tu ressens toujours des choses pour Barbara? Non. Sois honnête. Il y a toujours un truc. Voilà. Il y a toujours un En truc. fait, il me voit pas pendant un certain moment et il dit, oh, je m'en bats les couilles. Mais après, il me voit en vrai et change d'idée. Et oui. Ça m'a servi déjà. C'est bon. C'est C'est fini. Ouais, Ça ben, nous, on était voilà. là pour draguer, livre-toi, essaie Mais je de. sais pas comment la draguer, c'est ça le problème. Je sais pas. J'ai pas envie de faire des conneries, quoi. Non, tu fais pas. Tu Tu trouves trouves pas pas la la faille. faille. Tu Tu trouves trouves pas pas la la faille. faille. Tu trouves pas la faille dans la locataire. Rien à voir. Rien à voir, mais ouais. Bon, je peux pas te dire ouais, quel est ton homme idéal, je le sais déjà. Voilà. Ben oui, quelqu'un que je vibe avec. Voilà. Voilà. Et je Une sens qu'il y a fille une vibe avec. entre vous. D'ailleurs, il y a toujours eu une vibe. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans ta story, t'as mis une photo Ouais. avec ici. C'est Bah, j'ai vrai. bien aimé. Dans la piscine. Dans la piscine, tu te rappelles, c'était bien ce jour-là. C'était bien. Petit moment intime. C'était bien ce moment. Très bien en plus. La piscine, le sauna. C'était bien. Faudra refaire. C'est vrai? Bah, quand tu as du temps libre, on Pas de ira. problème. Let's go, ouais. Je calcule ça. Je vais le mettre dans mon agenda. Ok. Voilà. Ma tête. L'agenda, non? Bon, voilà. Pas facile. Je te jure, c'est pas facile. De quoi? Ben, je te connais déjà, alors c'est ça le problème. Ah, mais ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Ouais. Demande. Mais C'est regarde, des choses qui ont t'es évolué. passé des étapes. T'as vu Ah bah, ouais. les discussions et Mais tout. franchement, JP, je le trouve mieux. Like, déjà, il bégaye plus. Ouais. T'as vu, ça, c'est incroyable. Je suis pas toujours tout pas dedans, mais ça va. Ouais, Ça ça va va. venir. Ça va venir. Faut que j'arrête de fumer. Pas seul, en tout cas, ça va pas pousser. Non, mais Ça peut-être un soir, je me couche la nuit, le lendemain va matin. pas pousser dur au lendemain. Les Il se dents. réveille, tous les dents, là, ils sont là. Je suis content, quoi. Bah, franchement, ouais. Voilà. Et du coup, t'as des plans pour aller en Turquie ou... Ouais, on a des plans. S'il y a encore d'actualité, on va dire. Vous avez pas beaucoup? En fait, le problème, c'est ça dépend que de C'est lui. que ça dépend que moi, de toute façon. C'est En fait, il faut que je lui. fasse le palmarès dentaire, savoir qu'est-ce qu'il en est. Savoir s'il faut que j'enlève les autres dents que j'ai en France et que comme ça, en Turquie, ils font ce qu'ils veulent. Mais Non, c'est pas voilà. à cause de ça. Faut juste qu'il arrête de fumer, c'est tout. Faut Ah, juste c'est qu'elle arrête de fumer et on y skippé! va. Ah, tu fumes, Je je veux crois pas que quand tu de fumes, c'est. moi! Waouh, c'est. Rouet, qu'est-ce C'est que comme tu ça veux que de je l'alimenteur sur la. Ouais. Alors. Voilà. Le but, c'est de la drague. Oui. Elle doit jouer sur de la drague, tu vois. Il faut que tu fasses tes compliments. Faut que tu dises ce que tu as dans le cœur et ce que tu n'oses pas dire, justement. Sois un homme. Sois un homme. Porte tes couilles, sois un homme. Sois un homme dans ta vie, un Vraiment. peu. Sois un homme. C'est ce que j'ai à te dire. Mais franchement, je trouve que JP, il a son swag, sa vibe, et j'aime bien. Bien mon swag. Ça va? Des trucs que tu n'oses pas dire, Hein, que tu mets quoi? justement, vas-y, il n'y a rien Moi qui j'aime bien, hein, y a rien qui peut t'arrêter, beau j'oublie, gosse. genre, voilà, j'oublie, gentil. Merci. Normal. J'aime bien comment elle est. Sois un homme. Est-ce que Barbara, c'est vraiment ton style? Oui. C'est vrai. C'est vraiment ce Bah, du. tu sais très bien qu'on a fait le date à l'aveugle.
J'allais apprendre un pressentiment, tu vois. Pas un pressentiment, mais j'étais stressé. J'ai dit, voilà, comment je lui demandais comment t'étais. C'est le but du date à l'aveugle. Voilà, comment t'étais. Quand ils ont ouvert le rideau, je fais, waouh! Je fais, waouh, super, c'est bien, c'est comme il fallait, quoi. C'est vrai? Ouais, Ah bah exactement. c'est une surprise. Ah non, je lui avais dit en plus. De quoi? Que t'étais comme il fallait, pas rien changer sur toi. Ah, trop Ben, gentil. juste pour une question, s'il fallait changer un truc chez Barbara, ce serait quoi? Sur Barbara? Non, rien. Pourquoi changer? Bonne question. Si tu devais changer un truc chez JP, toi, ce serait quoi? Bah non, il est bien comme il est. Ouais, bof. Non, peut-être qu'on va avoir des dents. Mais ça, tu feras attentat à ton Oui, rythme. non, mais bon. Je pense que tu m'aurais vu avec des dents, avec les cheveux corrects, bien, nickel. Voilà, c'était bon. Mais ici, on n'aurait pas fait un date. On aurait fait un mariage. Mariage. Ah, Ouais. parce que tu penses que si tu avais des Incroyable. dents, Bah, je sais c'est beau gosse, pas, tu penses que. si je reste moi-même, bah, que tu as des dents ou que tu n'avais pas de dents, ton mental est toujours le même. Oui. Si du moment que tu changes pas de mental, mais que tu changes, t'es beau physiquement, t'as des dents et tout, tu vas pas dire, ouais, je suis beau physiquement, ça y est, j'ai mental, tu veux changer de mental. Je pose la question à Barbara. Si JP il avait eu des dents et qu'il serait un peu plus de valeur, on va dire. Plus de poids, tu vois, il prendrait un peu plus soin de lui physiquement, etc. Je pense qu'il y aurait eu moyen qu'il puisse avoir quelconque type de relation plus qu'amicale. Je suis là pour abattre ce soir. Je pense qu'il m'aurait plu, ouais. Plus. Ouais, mais là, c'est vague. C'est Ah, vague c'est de des fou, là, vagues. comme C'est pas réponse. vague, il m'aurait plu, oui. Pour. Oh, Il aurait au été. point d'avoir plus que de l'amitié? Je pense, ouais. Il y a un silence, et le silence est lourd. Ok. Ça, c'est bon. Il y en a qui disent 13 centimètres. Non, après, j'espère que ça te dérange pas par contre. Ça, je sais pas si c'est vrai. Bah écoute, il y a 15 000 personnes qui l'ont vu. Là, ils ont sorti le maître. Après, il y avait un gros bug devant, donc on pouvait pas savoir. Voilà. Technicien Mais t'en penses de quoi de ce qu'elle vient logistique. de dire là? Bah. Oh, c'est même pas quoi de penser quoi de ce qu'elle a dit. Bah, ça fait plaisir, quoi. Mais il faut voilà, faut du changement. Nul en drague. Ben là, il est en phase amélioration, il va glow up, JP. T'es pas doué en drague. Bon. Jamais dragué, on va dire T'es pas doué en honnêtement, je vais drague. dire honnêtement devant tout le monde, une des meufs, non, j'ai jamais dragué une meuf. Normalement, C'est là. non, c'est vrai, parce que sa seule ex, c'est sa mère qui l'a dragué. C'est vrai. Non, ma Non, mère elle a jamais ta mère, elle a dragué. dragué ton ex pour Non. qu'elle se mette en couple avec Bah toi. C'est non. toi qui l'as raconté. Non, en fait, avec la fille que je suis sorti plus longtemps avec. J'étais dans la rue, je promenais dans la rue, on était devant chez elle, on s'est croisés, on a parlé, et le lendemain, on est ensemble. Voilà, Tu vois, basta. normalement, par exemple, là, tu dois faire un restaurant avec elle. Là, un vrai dragueur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Un Tu sais vrai quand que dragueur. tu reviens de Paname? Je reviens à lundi ou mardi. Ok, ben jeudi, on va dîner ensemble. C'est ça, un dragueur? Ouais. C'est vrai. Après, tu demandes ce qu'elle veut manger, ce qu'elle Ouais. aime Ce qu'elle aime. manger, C'est quand même est-ce qu'elle a italien. un Allez, vas-y, restaurant mais attends, favori. là, le frère, là, on lui a Ah mis ouais, tu m'as direct mis une charte l'autoroute, de frère. l'autoroute. Alors? Bon, alors, c'est quoi ton restaurant préféré? J'aime un resto qui se trouve à Beaulieu, qui s'appelle Ambrosia. Ambrosia. Voilà, c'est vraiment génial. Ils font une cuisine italienne, ils D'accord. font même des paellas. Ah, C'est ouais, il apprend un peu de tout, quoi. vraiment incroyable. D'accord. Ah, on est déjà allé. C'est vrai? C'est au bord de la mer. Le bord de la Au mer, bord, juste devant les bateaux à Beaulieu. Ouais, Ah, on est allé. Oui, on est déjà Non, allé. non, non, c'est pas ça. C'est un autre, mais on est déjà allé. Ah. Ok, mais après le but quand tu Ouais. dragues une fille, c'est de lui faire découvrir des choses. T'es pas forcément obligé d'aller dans un endroit où elle est déjà allée, c'est pas Ouais, forcément bon, intéressant. tu sais très bien que je connais pas les réseaux d'ici, quoi. Oui, C'est mais pas si elle grave. te dit ça, Tu peux regarder sur internet. Tu tu sais. regardes, tu, là, t'as dit elle aime bien les choses italiennes. Italien. Bah, tu vas Voilà, prendre un autre resto italien, c'est pas voilà. grave. Non, mais ça. Avec d'autres Oui. spécialités. Après, je vais pas lui dire, ouais, bon, on va le resto là, avec. Non, on ira à un Une resto découverte italien. aussi, c'est lui faire découvrir quelque chose d'autre. Bien sûr. Voilà. Sinon, il y a Sidi Bou Saïd à Gambetta. Ouais, t'es du bon. Ouais, il est bien C'est là-bas. bien. Ok.
Ah oui, il y a Di Più, je sais pas, il y a plein d'Italiens, enfin, y a plein de restos italiens. D'accord. Pardon. Après, la paella, c'est espagnol. C'est espagnol. Paella espagnole. Si. Donc, si tu préfères italien, l'Italie, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais que... on a été en Italie, nous deux. Oui, bien, bien sûr. Oui. Mais... Ah, c'est trop bien, ça. Ouais. C'est vrai qu'on était tous allés, en Italie. En Italie, ouais. Manger ouais. Les sushis. C'était donc, trop bien. Donc là, tu sais ce qu'il te reste à faire, normalement. Ok. T'écoutes. Voilà. Ton style de fleur, c'est quoi? Ton style de fleur. Qu'est-ce que tu ton fais style de fleur, mais là. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que bah, tu fais? Ben, je sais pas. Laisse-le. Ton style de fleur. J'aime les roses. Rouge. Rouge, oui. Toi, j'aime je savais. Pour les roses. Rouge, juste pour savoir. Je sais pas. Ils sont tous MDR. Ok. Bon, bah, je pense que. Ah, je suis bloqué, je suis pas. Ça y est, on a fait un peu le tour, on va pas te. Ouais. Je pense que là, faut passer. Ah, étape supérieure. Là, faut passer au. Au quoi? Bah, donc tu vas te lever de faut que tu lui demandes quelque chose. Tu vas te lever là de suite sans que t'aies ton date. Sans que t'aies ton rendez-vous là. Bon on a dit jeudi. Vous non mais c'est pas à toi, c'est. Occupe-toi de c'est toi. C'est moi, je l'ai dit, c'est arrivé frère. C'est à moi. Ouais. Non, si jeudi, ça te dit jeudi soir, ça te dit d'aller manger au restaurant. Oui. Voilà. Jeudi soir, il y a live. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, tu as toute la journée. À midi, au bord de la mer. Bah, au port de Nice, ouais. Allez. Ouais, à midi, ouais. Pour aller manger à midi et manger au resto. Comme ça, t'as toute l'après-midi pour te balader. Voilà. Ouais, on fait ça. Ouais, on fait ça, ouais, pas de problème. Nickel. Nickel, impeccable. C'est pas mal. Et maintenant, tu voulais lui demander quelque chose. Bon, j'ai vu. Je t'ai vu danser. C'est vrai. Ouais. Où ça? Ah. Il m'a vu danser. Mais avec Koudou, il y a 5 minutes. Ah. Est-ce que ça te dirait de faire un slow? Ok. Non, mais ça, on est dit, j'ai été un peu jaloux. Non, j'ai pas été jaloux. Non. Si, c'est de la jalousie. Non, il m'a dit dans l'oreille, Koudou ne sait pas faire un slow. Il ne sait pas, il ne sait pas lasser une fille. Je vais lui montrer ce que c'est. C'est vrai? Bah. Ok. Ouais. Je mets la musique. Nina, pour toi. Wouh! C'est quoi? Il n'y en a plus Nina. Nina, pour toi, je quitte Barbara. C'était ça la phrase. C'était une connerie. Une connerie, ouais. C'est bon? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something wanna fight to me. Wesh, wesh, chacun de vous. T'es un malade, chacun de vous. T'es un malade. T'es un malade. T'es un malade. I wanna wake up with you in the morning. Something wanna fight to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. Like a dream and even when we're not. It's you and me, got a whole lot of meaning. Yeah, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that wanna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that wanna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. But we can do nothing, do nothing at all. So what, so what? Qui danse le mieux le slow? Bah, tous les deux, ils les ont... deux ils dansent bien. Ouais. Bah écoute, Barbara, pour l'instant ton tour est passé. Tu reviendras après pour un. Je reviendrai. Oui, pour un truc. En fait, quand tu vas revenir, il y aura les deux en face de toi. Tu vas poser des questions, ils vont devoir répondre oui ou non. Vas-y. Et tu diras à la fin lequel t'as préféré.
Donc je vois à toutes. À toutes. Voilà. Tu allez. Vois à toutes. Bisous. Au revoir. Merci Barbara. Ciao. T'as déjà tes lunettes? Bah tu peux les garder. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est pas pourquoi t'as mis ta main là-bas? J'ai rien mis. Tu me l'as comment tirer? On a vu des trucs, j'ai pas vu ou quoi? Voilà, tu pues la merde. Oui, ça sent caca. Oui, il pue caca. Et ça. Oh, juste après le date, la danse, je suis venu ici, ça sentait le caca. Impossible. Tu vois? Bref, attends. Mais je te jure, il sent le caca. Attends, oh, le problème, c'est pas ça. Je te jure, Ta main, tu l'as mis où? Les hanches? Non, la tête, toi, le clip. Il y a le clip. Il y a le clip, la glissade. Frérot, on va regarder le clip, tu sens ça? Regarde, frère. Voilà. Vas-y. Regarde, attends, c'est quoi ça? Ouais. Regarde. Wesh! Ah ouais, wesh! Ça a glissé. Ça a glissé! Il bug, frère. Ça bug à mort. Ok, c'est pas grave. Mais ça là. Je sais pas s'il voit. Ouais, il voit un peu. Là! Un peu. Excuse-moi, là. Ça c'est pas sa hanche. Là. Ça c'est pas sa hanche. Là! Ça s'est touché le zouk. Ça c'est pas sa hanche. Tes sourires. J'ai vu qu'il fait là. Ah, attends, ça pue la merde. Ok, il a glissé, ouais. De par Dieu. Non. Ok, bon, allez, vas-y. Je t'assure, t'es nul. Bah non. Bah non, c'est Koudou et Virginie. Non, c'est bon, laisse-le lui après, Koudou. Vas-y. Il est en plein lancé, il est en plein lancé. Non, vas-y, laisse-le, il faut qu'il y ait un temps de pause. Il est trop nul. Je ne sais pas comment ils font une quarantaine d'années d'être aussi nul avec des femmes, frère. Je t'explique, si j'avais été à la place de JP. Mais je suis pas JP, moi je m'en fous les gars. Mais si vraiment j'étais à la place de JP, frérot, je te jure. Easy win. Je te jure, easy win. EZ. EZ, facile. GG Will. Franchement, ils sont trop nuls. Bon, on va ramener. On va ramener Koudou avec la deuxième nana. Il a abusé les frères. Ah frère, il a glissé. Je vais les appeler. Nous tous, ça. Mais oui, même oui, vous. Oui, easy win, tout le monde. Je vais les récupérer. Il monte sa bite, après il touche les fesses des gens. Il nous reste pas grand chose hein, avant qu'il nous reste rien en fait. ASMR s'il te plaît, ok. Ta gueule, ok. Toi tu t'es fort Nico. Dites merci à Nico quand même, c'est grâce à lui que vous avez son fiac H24 à la caméra. Nico. C'est Nico le Goth. Les gars, c'est pour le peuple. Toujours pour le peuple. Viens, apparaît à la caméra. Venez, je vous montre Nico. Viens. Voilà. C'est Nico. Je vous présente Nico. Attendez. Ah, c'est lui, le seul, l'unique pour le peuple. J'ai ramené deux. Frère, c'était abusé. Ah, il y avait une sale odeur de malade. Ouais, c'est vrai, j'ai senti aussi. Mais attends, je sais pas si c'est pas les sèches, frère. Non, à tes doigts, je l'ai senti. Non, il pue. Qu'est-ce qu'il raconte, ces bâtards? Il pue. Non, rien, ils ont dit merci le paqui et tout. Bon, allez, vas-y, ils sont derrière. Allez. Koudou! Attends, là, je vais le faire rentrer. Ah, mais là, ça va être un massacre. La meuf qui arrive, elle va l'aplatir. Oh là là, j'ai même pas besoin de le dire, il est déjà comme ça. La meuf qui va venir, elle va l'aplatir. Ok. Vous êtes prêts? Virginie, écoute, voilà, installe-toi, attends, je te place mieux, la chaise, attends, tac, vas-y, est-ce qu'on te voit bien? Incroyable, je viens m'installer tout de suite jusqu'à du... Comment tu vas, Virginie? Bien... Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps et j'avoue que depuis, je regarde vos lives et je rigole pas mal. Bah c'est vrai, je te vois à chaque fois dans le chat, plusieurs fois sur le chat de Mehdi, etc. Ouais, aussi, mais souvent je le mets et je fais autre chose, mais je le laisse. Oui. Mais souvent le soir, je le mets, souvent quand j'ai le cafard d'ailleurs, je le mets et je rigole. Hein. Et après, je m'endors un peu, j'avoue. Hein. Bon, c'est bon. Bon, ça fait plaisir. Déjà, le fait que tu regardes, ça fait plaisir. Ouais. Et la première fois, tu étais venu pour JP. Ouais. Je te rappelle pour le date à l'aveugle. Ouais. Et là. Moi j'imagine que tu dois le connaître du coup si tu bah regardes oui, un peu les lives. Ouais. Donc là c'est de me regarder comme ça Koudou, je t'en supplie. Non mais toi je suis que tu non, 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 on va rien dire parce que je te mens pas. Ça va être compliqué de ouf. Non.
Ça va être compliqué. Je sais que ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué. Justement pas un mélange des atomes et tout. Et toi, tu galères à faire des 2 plus 2. Non, mais sûr, on est dans la merde. Écoute, dis-toi, toi, t'aimes les femmes un peu plus âgées. Tu l'as dit tout à l'heure. Je l'avais dit, ouais. Non, mais là, je suis beaucoup plus âgée. Non. Ça va pas le faire. T'es parfait. T'es parfait. Quel âge? Bon, maintenant, on peut dire. Oui. 51. 51 ans. 51 ans. Vous les faites pas? Ouais. Tu me tutoies, Safine, ou je sors de la pièce? Tu. Tu ne les tu fais les pas. Tu ne les fais pas. Et même si je suis comme ta maman, tu me tutoies. Ma maman, tu tutoies ta maman. Un peu plus âgée. Non, je la vois, ma mère. Et toi, t'as 39. Est-ce que déjà, c'est ton style, pour commencer? C'est mon style. Bah, allez, vas-y, maintenant, tu peux y aller, camarade. Fonce. Bah, fonce. Allez, fonce, hein, fonce. Non, bah... Commence par bonjour, comment ça va? Comment, bonjour, comment ça va? Bonjour Koudou, ben ça va bien, je viens d'arriver sur Nice, avant j'étais sur Fréjus, donc je suis un peu dans les cartons, mais ça me fait plaisir d'être là, d'être avec toi, de faire connaissance. Donc j'ai 51 ans, comme je viens de le dire, je m'appelle Virginie. Bah le métier, je sais pas si on en parle parce que tu brûles les étapes quand même, tu... Oui mais pas parce que... que c'est à lui hein. Oui mais... Elle essaie de le mettre à l'aise, elle essaie de le mettre à l'aise. Il est timide. Oui mais c'est justement, c'est pour qu'il... Non mais... C'est le but. J'ai pas envie de parler de mon métier forcément parce que c'est... Voilà. Ça met à quelque chose, ça met à un carcan, on se dit ouais un télo et tout, alors qu'en fait on peut être des gens normaux tout en ayant un métier un télo. Non mais après tous les métiers sont pareils. Exactement. Donc vas-y à toi. Moi je m'appelle Stéphane. Ah ça je savais pas. Stéphane. Bah mon surnom c'est Koudouk, c'est sur ça les lives. En fait ça c'est mes parents qui m'ont donné ce surnom quand j'étais petit. Pourquoi? Ils m'ont pas donné de signification du mot. D'accord. Après j'ai 39 ans, je vais sur mes 40 ans au mois de juillet. Au niveau travail, je travaille pas. T'as jamais travaillé? Je faisais que de l'intérim. Ouais. Je faisais que de l'intérim. Dans quoi? Dans un peu tout ce qui est patate, triage de patates, travailler chez McCain. Ouais. McCain. C'est la suite logique quoi. C'est quoi McCain? C'est les frites, non? C'est les frites, mais nettoyer. En fait, je faisais le nettoyage des machines en fait. D'accord. Okay. Après, je faisais du drive. Oh, chez Leclerc. Ok. Puis, voilà. Tout ce qui est manuel, non? Enfin, plus de dans le bricolage ou quoi, non? Pas trop, non. Je suis pas trop bricoleur. C'est pas très bien ça pour séduire. On aime bien les hommes qui sont habiles de leurs mains. Mais il est grave habile de sa main. Tu sais pas ce qu'il fait avec sa main ce mec. Non, je veux pas savoir. Koudou, on n'existe pas. Koudou, t'es face à elle. Malheureusement, vous existez. Là, pour l'instant, on n'existe pas. Faut que tu restes focus. Non, et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes sur une optique de trouver une relation sérieuse? Donc on se voit, ok. Oui, est-ce que tu es sur l'optique de trouver une relation sérieuse? Excuse-moi. Idéalement, bien sûr. Et bien sûr. Au niveau de ton style d'homme, ça serait quoi? Style d'homme et au niveau de l'âge? Alors, style d'homme, idéalement, on va dire, moi j'aime les grands brins ténébreux, musclés avec une gueule d'ange, voilà, comme ça on est cadré. Mais après, il y a aussi le caractère qui fait le tout, le charisme, la manière de s'exprimer, ce que la personne a comme vision de la vie, des choses qui rentrent en compte aussi et qui sont pour 50% je dirais physique et puis après l'autre aspect voilà quoi, j'ai répondu à ta question. Oui. Et toi c'est quoi toi
Moi, c'est... Qu'est-ce que tu recherches comme type de femme? Ah non, l'âge. Alors l'âge, en fait, je suis pas une cougar. Mais les hommes de mon âge, je les trouve très vieux. D'accord. Et dans la tête, et dans le physique. D'accord. Et j'avoue que ma... De toute façon, je suis approchée, moi je drague pas. Je suis approchée par des hommes souvent plus jeunes, voilà. Mais bon, après, s'il y a un homme de 50 ans qui me plaît, voilà. D'accord. Et toi, du coup? Moi, mon style de femme, c'est plus les femmes rondes. Et ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Après, je suis pas fermé aux femmes maigres. Aux femmes minces, ouais. Après, ce que je peux te dire au niveau de l'âge, je recherche des femmes plus âgées que moi. Pourquoi ça d'ailleurs? Que je me suis déjà fait avoir avec des filles plus jeunes. Genre la dernière, je suis déjà sorti avec une fille de 23 ans. Et c'était mais toi, d'accord, 23 ans, mais toi tu avais quel âge? Moi j'avais si 27 t'en ans. 24 Non, 37. T'en avais 37 et 37. T'en avais 23. C'était à l'époque du Covid. Ouais. Mais pourquoi tu me dis ça? Oui, il va te raconter. D'accord. Non, c'était une menteuse, un peu manipulatrice. Ça, et d'ailleurs, à 40 ans et à 50 ans, d'ailleurs, c'est les mêmes. Hein. On peut dire qu'elle t'a trompé. Oui, elle m'avait trompé avec un homme de 60 ans. Hein? Quoi? Si, ouais. Et maintenant, moi, je me dis, vu que là, j'ai 39 ans, je vais sur mes 40 au mois de juillet. Mm-hmm. Je me dis, maintenant, je préfère mieux sortir avec des femmes... Plus âgé que moi, et voir ce que ça peut venir pour donc pour tu fais une croix sur la parentalité alors parentalité ouais. non sur le fait d'avoir un enfant j'avais peur non, de ce mot au niveau des enfants si tu veux une femme plus âgée que toi t'as déjà 40 ans au niveau des enfants oui. Je suis entre guillemets stérile. D'accord. Mais en fait, explique-le bien. Explique ce qui s'est passé avec ton ex. En fait, il a les spermatozoïdes faibles. Il peut avoir des enfants. D'accord. Avec voilà, s'il est suivi et. Mais oui, par des. Ouais, par. Par la PMA. Oui, voilà. Tu sais ce que c'est que la PMA? Non. Pas le PMU. Médicale. Rien à voir le PMU. Assisté. Ah voilà. D'accord. Donc tu peux avoir des enfants. Tu peux. Bah, je peux en avoir, mais d'un côté, ça me fait un... T'es quoi, t'espère. Mais va chier, toi, casse les couilles. J'ai rien dit. Ouais, d'un côté, comme je disais, d'un côté, ça me fait un peu peur d'en avoir. Parce que vu que moi, je suis... Pour moi, je suis pas encore assez stable. Mentalement ou financièrement? Non, mentalement... Ah ouais. Putain, mais... Non, mais je comprends, hein. C'est même... louable de ta part de t'en rendre compte. Ouais, bah. Parce qu'il y a plein de gens. Bah. C'est très facile de procréer. Parce qu'en fait, moi j'ai. Pas de leur enfant. Moi j'ai 6 sœurs. Ouais. La dernière, elle veut pas d'enfant. Mais les autres, ils ont 3 enfants. Mmh. Et l'avant-dernière sœur, en fait, elle faisait des enfants. Juste pour. Juste comme ça, quoi. Juste pour, en fait. Elle... Son objectif, c'est juste avoir des enfants pour toucher la CAF, quoi. Pour toucher les allocs, quoi. Il balance sa soeur. Je m'en fous, je suis indépendant, mais... je te laisse. Elle peut pas être... Non, mais je suis là, regarde, c'est le max. La tête de homme. Sérieux. C'est pour ça que maintenant, moi, je me dis, si je rencontre une femme, Je vais attendre de voir si elle est bien sérieuse et si elle recherche vraiment du sérieux. Qu'elle soit stable, qu'elle soit posée. Mais si tu attends, quand tu es avec quelqu'un dans une relation, si tu attends plusieurs années avant de savoir si elle est stable,
Non, mais pas plusieurs années. C'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs quoi plusieurs, ah, déjà voir déjà si qu'il y a du feeling, qu'il y a, ouais, que ça soit feeling. Mais en gros, toi, ça te dérangerait pas de ne pas avoir d'enfant? Moi, ça me dérangerait pas de pas en avoir. C'est bien, ça me dérangerait pas du tout. Après, c'est la grande mode hein, en ce moment. Il y a plein de gens qui veulent pas avoir d'enfants quand on voit tout ce qui se passe et tout. Oui, ça. Oui, avec oui. Donc c'est pas choquant. Ça arrive parce vraiment que de plus en plus souvent. Parce que j'avais déjà vu un live où est-ce que tu étais dessus sur un date avec JP. Ah, oui. Comme quoi que tu voulais plus en avoir des enfants. Ah, bah de toute façon, à 51 ans, c'est dur d'avoir des enfants. Oui, oui, tu peux en avoir, mais après c'est risqué après. Ouais. Tu peux à 51 ans, je sais pas. Bah, c'est chaque femme. Ah, et Mais vaut mieux moi pas. Je pourrais, mais je n'en veux pas. Vaut mieux pas essayer. Oui. Je ah, veux d'accord. pas, mais je n'en veux pas. D'accord. Et ça fait même longtemps que je n'en veux pas. D'accord. Ayant un fils qui a 17 ans maintenant, en fait. Oui, ça j'ai dit. L'écart d'âge est trop grand. Enfin, ouais. Non, je suis d'accord. Après, qu'est-ce que je pourrais dire Attends, mais pourquoi j'ai toujours. Tu. Est-ce que t'aimes les voyages? J'adore les voyages, non, mais j'ai jamais voyagé. Mais va chier, toi, avec tes conneries, là. Non, et moi j'ai voyagé jamais voyagé. Ouais. Moi, mon rêve, c'est de partir aux États-Unis. Puisqu'il y a. J'ai vécu deux ans là-bas. Deux ans aux États-Unis. Ouais, et t'avais fait quoi aux États-Unis? Je travaillais, pareil, le même job. Même là-bas. Job. Ouais. D'accord. Deux ans. Ouais, après moi c'est les États-Unis, c'est Las Vegas, c'est Texas, Miami, un peu partout. Mm-hmm. Puis après essayer de voyager un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Et pour ça il faut avoir un petit peu d'argent. Oui, c'est sûr. Tu penses que tu peux. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce qu'au niveau financièrement, c'est compliqué. Et là maintenant, qu'est-ce qui change? Là maintenant, ce qui change, c'est ça va un petit peu mieux. On va dire grâce à JP qui m'a fait mettre dans la lumière au niveau de tout ce qui est sur Twitch, sur TikTok et tout. Et je vais essayer de travailler au niveau des réseaux sociaux et puis essayer en même temps. En même temps, ce sera pour les réseaux, ce sera pour voyager, pour découvrir un peu tout ce qui est la nourriture de. Comment j'avais dit ça? Une nourriture américaine? La nourriture américaine. Ayant vécu deux ans, je peux te dire que. Pas ouf. Non. Faut que j'aille la descente. Je suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en jaune.